Martinelli, il est puissant, putain. J'ai fait exprès de forcer voir, mais. Oh, on sait très bien comment ça va finir, les gars. Il est fou, lui. Mais là, c'est le hat-trick assuré, non? Le gout! Salut les fraudes! Ça va les amis? Et du coup, c'est ça pour le moment, ma team, sympa. Hein. Après, ça vaut 400 et quelques, je pense, 400 000 à peu près. Après, parce que là, les prix augmentent. Moi, au moment où j'ai acheté Donovan, tu vois, il coûtait 60, là, il est à 160, donc c'est sûr que. Mais si, après 140, hein, il vaut pas 500 000 crédits cette année. Hein. Donc si t'as paqué un peu, etc., il est pas inabordable. Ah, ça utilise les cartes de prêt, ok. C'est dehors ou c'est mon ventilateur encore? Putain, à chaque fois ça me fait flipper. Ah! Le gout! Par contre, Donovan, faut que je me rassure un peu avec lui, quoi, parce que je le trouve pas sur le terrain. Contre Rafinha Martinelli, c'est bon. Putain, il avance pas, Donovan. Il avance up. J'ai l'impression qu'il avance pas. Hein. Je vais peut-être avoir un manque de vitesse entre Messi et Donovan. Tu vois, ça va être compliqué sur certains trucs. Parapapa. Martinelli, il est puissant, putain. J'ai fait exprès de forcer voir, mais. Oh, on sait très bien comment ça va finir, les gars. Il est fou, lui. Mais là, c'est le hat-trick assuré, non? Le gout! Comment ça, il a pas respecté Léo? Il est fou, lui. Donovan, les gars, c'est moi ou c'est un... ou c'est un fantôme? Vas-y, poteau, fais-moi vibrer. J'ai juré, Donovan, les gars, il est claqué, je suis dégoûté, il est pas mobile, tu le trouves pas sur le terrain, il a l'air claqué de fou. Je suis dégoûté. La vérité, il pue la merde, même sur des trucs tout faits et tout. Ça se voit, il est éclaté. Je fais tout pour essayer de voir, pour marquer, me rassurer, il est éclaté. Mais non, j'ai zéro confiance avec lui, putain. En fait, j'ai l'impression qu'il court pas vite. Il est lourd. Et la finition, pour le moment, elle est pas au rendez-vous. Donc il reste quoi, en gros? Et de une. Oula. Rafinha ou Stevenson, ça, il y a une équipe pas mal. Par contre, Alba, il me déçoit pas, lui. Alba est pas dégueu. Oh, Donovan, une passe D peut-être? Donovan, les gars, l'initiative. Oh, Donovan, il est parti. Oh, la passe de Donovan. Oh, s'il te plaît. Vamos. Non, les gars, il est trop fort. Je retire tout ce que j'ai dit. Allez, dehors. London, les gars, il est trop chaud. Wesh. Ah ouais, lui, il est motivé, hein. Ça se trouve, imaginez, je perds. J'espère que je vous donne le jeu, les gars. Je vous donne mon compte, j'arrête. Ça se trouve, il va me taper. Là, normalement, c'est un match pour mettre en confiance London, les gars. C'est vrai ou pas? Ça, c'est un match pour la confiance de London. Oh merde. Ouh, merde. Oh, London! Voilà! Non, mais là, normalement, ça doit finir en rage quit rapide, ce match, non? Après, les gars, avec une force de frappe comme Messi et Donovan, j'avoue, c'est de la triche. Et merci à Zoray, dit Griezmann supérieur à Mbappé à la CD. Oula, ça c'est pas mal, tu vois. Ça paye toute l'équipe. Facile. En vrai, je les trouve tous bons. Martinelli, Rafinha et tout, je les trouve bons. On va déjà plier le match. Allez, triplé pour Haaland sur ce match. Quand ça commence comme ça, on a compris. Oh, Donovan. Quand Donovan, il est à la baguette comme ça, pas. Oh là là. Une équipe, les gars. Me copiez pas sur l'équipe quand vous aurez les crédits, les gars. Vous n'êtes pas monté dans le train Donovan, Messi, tout ça. Voilà. Donc, restez où vous êtes. Ah, putain. Par contre, sur ça, il me rassure pas. Pourquoi? De Jong, il est un peu trop. Sa position moyenne sur le terrain, c'est un peu trop. Ça va me jouer des tours, ça. Oh, London. Voilà. Trop chaud. Mais deux scoreurs, les gars. Je vous le spoil, mais ça sera pareil. Pareil. Messi, au démarrage, il s'est vraiment abusé. Les coups, le coup de rein qu'il a. Oh, les acteurs.
Il y a 5-0 à la mi-temps. Pourquoi tu fais style? Tu vas rectifier le tir. Arrête un peu. Il démarre vite, hein, mais vraiment, il résiste et tout. Putain, la doublette, les gars, Donovan Messi, c'est... Putain, son Van Dijk, il courait bizarre. Oh, merde. Après, Diaby... Oh, j'arrive pas, je l'ai vu son joueur dans l'axe, je le savais, mais impossible d'appeler mon joueur. C'est le seul truc. Danjuma. Putain, il y a un Danjuma 83. Ah, il l'a fait up en fait, c'est ça? Pas trop de doute. Oh, Rafinha, comment il démarre vite. Il est fort, Rafinha, de fou aussi. Hein. Vraiment. Hein. Oh, la passe de Léo. Oh, là, là. Il y a toujours Lenti, il y a plus de types de courses. Il y a différents Lenti aussi. Il y a même des attributs, fusées, machin. Et encore plus de trucs. Maintenant, je crois qu'il y a 7 types de courses. Boulou! Tu vois, c'est là l'avantage d'avoir un gaucher à gauche, un droitier à droite. Tu vois, ces frappes-là, vu que tu es souvent... C'est comme ça que tu peux finaliser le plus dans le jeu et tu es souvent en position comme ça. Là, tu vois, pour enrouler, ça serait peut-être pas rentré en pied inversé. Ça aurait fait un truc chelou. En fait, le seul truc qui est dommage, là... C'est que j'ai pas de 5GT quoi. C'est vrai que des fois le 5GT il fait plaisir quand même. 240 Zanetti, arrêtez, commencez pas à me retourner la tête. Après ça se trouve il est pas dégueu en soi, mais il paraît très limité quoi. Franchement, ça paraît très limité. Il fume ton Donovan, qui fume mon Donovan? Oh là là, mais Martinez il sort des arrêts par contre, respectez Donovan. Voilà, Donovan, bats-toi. Va, London. Voilà. Deux jongles. Oh, le GOAT, la prochaine fois, on va pas faire croquer les autres parce que... Pas possible de rater ça. Rafinha, tu vois, c'est pour ça, gaucher à gauche, droitier à droite, ça bouge pas. T'es trop confiant, ces frappes-là. Dès que les joueurs, ils ont un minimum, une bonne patte. Là, si t'appelles pas le joueur à l'avance, t'es mort. Il part. Du coup, les gars, c'était qui les petites cheatées? Ce que vous me demandiez tout à l'heure, moi, ceux que j'ai aimés. Déjà, il y a lui qui est fort. Attends, je mets ceux que je pense et vous me direz après s'il y en a d'autres que j'ai kiffé en draft. Parce qu'il y en a, vous me demandiez un peu les joueurs pas trop chers et qui sont pas mal. Moi, je parle de ceux que j'ai testés, les gars, en draft. Vu que j'ai fait beaucoup de drafts, il y en a que j'ai pu tester plusieurs fois. Moi, je vous parle vraiment de ceux que j'ai pu tester. Tchouaméni, moi, j'ai bien aimé. En plus, il vaut 10, 11 cas. J'ai l'impression qu'il est très fort. En vrai, Xavi Simon, pas mal, ouais. J'ai trouvé pas mal. Après, sur la fin, c'est bon niveau de la finition, mais c'est vrai pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres, les gars, où j'en ai dit du bien? Ouais, Diaby, très fort. Mais après, Diaby, ça coûte un peu. Là, on parle vraiment de ceux qui coûtent 10, vers autour des 10K, voilà, 15K max. Rabiot, il vaut combien, Rabiot? Ouais, Rabiot, par exemple, mais il doit coûter un peu, non? Combien ça vaut, Rabiot? Parce que j'ai trouvé bon, mais après, ça dépend du prix. S'il vaut 30 000, voilà. Ouais, il vaut 20K. En vrai, Openda, ouais, on peut le mettre. Je pensais coûter plus cher. Traoré, ouais, Traoré, pas mal. En vrai, ouais, je suis d'accord. Traoré, moi j'ai bien aimé. Je le trouvais équilibré. Il est pas dégueu, Traoré, ouais. En vrai, des Frimpong à 20K, à 20 et quelques, et Jota à 20 et quelques en soi, c'est quand même. C'est fort pour le prix, quoi. Il vaut combien, les gars, Gabriel Jesus? Moi, je l'ai trouvé bon. Hein. Mais lui, je le trouve toujours bon. Hein. Mais lui, en début de jeu, je trouve c'est parce qu'il est ultra mobile, en fait. Il a quand même un peu de finition, de la puissance frappe, puis il a du drip de fou. Ouais, il rentre dans les prix. Il est bon, moi, je trouve. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est les principaux qui valent pas cher et pas trop cher et qui sont bons. Vraiment très bons. Et t'as des liens évidents, tu vois. Simon avec Openda par exemple, du coup ça c'est top. Joey Linton c'est très fort, ça coûte pas cher. Rabiot aussi, Lookman tu vois, lien Serie A. E2 c'est fort, Lookman il y a vraiment des stats de fou furieux en fait. C'est lui ses stats, c'est ouf. Il a une carte à 80 quand tu vois ses stats, c'est lunaire. La finition en drip, ce qu'il a et tout. Il y a Danjuma, c'est un peu pareil en PL. Ça ressemble un peu, c'est moins
moins fort, mais ça ressemble un peu à lui. Danjuma aussi, intéressant. Parce qu'en plus, ils ont plusieurs postes, les joueurs. Les Hake, Gakpo, pareil, fort. Chouamone, j'ai bien aimé. Frimpong, bon, c'est un crack. Jota, Jesus, tour, pareil aussi en début de jeu. Bon, en tout cas, il y a plein de joueurs qui valent 5000, 10000 et qui sont pas mal. Et même des attaquants qui valent rien, qui sont forts, qui ont de la finition. Tu vois, comme Openda, on disait Lookman, tu peux jouer avec Gakpo devant aussi. Donc, c'est ça qui est bien, en fait. Danjuma, si tu maîtrises le jeu, Jota, Jesus, si tu maîtrises le jeu, t'es meilleur, tu pourras faire très mal vu qu'il y a moins de def assisté. Tu feras un carnage, en fait.